Salut les potos, c'est Mirolam, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va nickel. Et on est parti pour l'épisode 111 de Palladium. Alors je ne sais pas vraiment si ça s'entend, mais j'ai enfin changé de micro, il était temps. Vu que l'autre n'arrêtait pas de grésiller au bout d'un moment et c'était tellement relou, enfin aussi bien au niveau du montage que du rec. Alors aujourd'hui, avant que la quête de Noël disparaisse, alors oui c'est un peu tard pour faire la quête de Noël, je suis d'accord. Moi, je vais pas vous le cacher, au bout de 3 jours de Palladium d'affilée, comment dire, j'ai plus vraiment de monnaie et d'endium à acheter, ni de stuff enchant. Parce que de base, hier ça devait être l'épisode de SAO et juste en fait, bah, j'ai pas pu le faire parce que le serveur était fermé. Du coup, on passe au tirage des blocs de Palladium. Alors cette fois-ci, je prendrai pas un gagnant avec marqué genre je veux les blocs, hein. On va essayer de prendre des commentaires un peu mieux, on va dire développés. Un jour, mes blocs viendront. Un jour. Pas la bloc. Allez, suivant. Ok, suivant. Pareil, les blocs STP. Et ben voilà, tu vois, regarde, ça c'est un commentaire. GG, déjà le troisième lingot. Et en plus, pour la bonne ambiance, il y a toujours la bonne musique de SAO derrière, pseudo HeroCraft Lulu. Et ben écoute, je t'offre avec plaisir les 10 blocs de Palladium. Vous voyez, c'est pas bien dur d'écrire un commentaire. Bon, avant de commencer la quête, on va faire juste une petite chose qui n'était pas spécialement prévue. Alors pour l'anecdote, en fait, hier soir, je suis passé sur le TS de Palladium parce que j'avais un petit souci qui a toujours pas été réglé d'ailleurs. Mais bon, je vais pas en parler, sinon ça va faire... Voilà quoi. Et parmi le staff de Palladium, donc le staff du EOAS, m'ont passé 5 clés boutiques. Alors vous inquiétez pas, c'est des clés boutiques qui ont été achetées, c'est pas des clés boutiques givées et tout. De toute façon, à mon avis, ça se saurait très vite sinon. Et du coup, on va se retrouver sur EOAS vu que ça vient de là. Alors je sais pas où sont les box sur le EOAS. What? On peut plus échanger? On peut plus échanger les clés d'Halloween? What? Ok, d'accord, il a vendu toutes ses clés, d'accord. Ok, alors salle des box sur EOAS, j'y suis jamais allé encore. On est où? What? On est dans le ciel. Ah ouais, on est en haut du spawn. Et bah j'ai plus qu'à trouver les box boutique. Alors là c'est les lucky blocks. Enfin les lucky blocks. Ici on a box boutique. Donc là c'est bon. Donc je rappelle 20% de chance d'avoir des endium keys. Let's go. Allez, j'espère qu'on va avoir quand même des endium keys. Ça serait pas mal. Bon, pas mal me disent, Miro, si t'as des endium keys, vends-les. Comme ça te ferait de la monnaie. En soi, c'est pas une mauvaise idée, mais j'aime bien quand même prendre des risques et avoir le suspense de savoir ce que je vais avoir pendant les box. Allez, et pour l'instant, non. Pour l'instant, j'ai pas d'endium. Pour l'instant, c'est que des ultra lucky et des je sais plus quoi. Des legendary, je crois. Oh, mais non, non. Par contre, si j'ai pas d'endium box, genre... Non, quand même pas. Allez. Oh, mais non, mais dernière clé, j'ai pas d'endium box. Sérieux? Mais non, mais... Non, t'as intérêt à me passer des endium box, genre, vraiment. Sinon, c'est la douille totale. Mais what? Mais... Ok, d'accord. Là, genre... Vous voyez pas la déception que j'ai sur mon visage? Mais genre... Je suis au bout, j'en peux plus. J'ai la malchance, mais genre jusqu'au bout, tu vois, j'aurais carrément dû vendre les box boutiques. Faut même pas que je vende des endium box, faut que je vende des box boutiques pour être rentable. Bon bah écoutez, on les fait et puis je vous parle des lots qu'on a après. Mais ouais, je suis... Malheureusement, aujourd'hui, je pourrais pas t'ouvrir. Allez, on va commencer par les plus mauvais lots. Ah, des blocs de Palladium. Ah, pas mal en fait. Ok les gars, je viens de découvrir qu'il n'y avait pas de son sur la vidéo juste avant. Du coup, là maintenant, vous entendez le son du jeu. Ouais. Et ben voilà, encore 32 blocs de Palladium. Finalement, c'est pas trop mal en fait. C'est pas trop mal pour des ultra lucky parce que d'habitude, j'ai vraiment rien. Là, chapeau. Un stack de blocs de Palladium, c'est cool. La Big Dina, la fameuse Big Dynamite. Hein. Bah, attention, suspense sur la dernière clé d'Ultra Lucky Box. Attention. Ouais, un full stuff, c'est trop bien, ça prend de la place pour rien dans l'inventaire, mais c'est pas grave. Ok, on va remettre le travel stuff vite fait, et on va faire les dernières box qui sont les Legendary Key. Non, pas ici. Et on peut plus trade des clés d'Halloween, là, contre les Endium Box, c'était pas mal, ça. J'en aurais eu assez, enfin, avec celles que j'ai en stock. Ah bah, un peu de monnaie, c'est cool. Voilà, attends, on a combien de monnaie comme ça? 863 000. Alors, si j'arrive à négo, je pourrais peut-être acheter un nugget. Mais on va peut-être garder l'argent pour avoir des blocs de Palladium et faire nos Lucky Blocks, vu que c'est ça qui rapporte principalement de l'argent, on va pas se le cacher. Et c'est aussi principalement grâce à vous que je peux rush mon full endium, hein, voilà. Ah, des spikes. Ah, pas mal, 2 ultra lucky box, ok, bah, retour à la case départ. Finalement, c'était pas pire, vu que là, j'ai rien eu dans ces box-là, hein. Ouais, on va être clair, j'ai eu 2 stacks de blocs de Palladium là-bas. On va y retourner, mais à part de la Big Dina et des spikes et des cave blocks, hein, je... Voilà quoi. Et donc pour ces 2 dernières box, ça sera du findium et des cave blocks. Voilà. Bon écoutez, à part un stack de blocs de Palladium,
J'ai rien eu de spécial. On va mettre ça dans le C. Donc je rappelle qu'en fait, moi, pour mes lucky blocks, j'ai besoin de 6 stacks de blocs de palladium. Donc là, j'en ai, on va dire 4, 5. On va poser tout le vrac dans ma BP et on va prendre le stuff pour enfin faire la quête du alpha, parce que ça fait un petit bout de temps que je veux la faire. Et vu que les PNJ étaient pas synchro, je pouvais pas la faire. D'où mon retard en fait. Alors, on va donc partir sur un P4U3, je pense. On pourrait même prendre un P4U5 en vrai. Oh, P4U3, ça va aller. Bon, par contre, on va prendre l'Onium Box Sword avec le T5. Quelques pommes en palladium et limite un Stick of God, allez. On ne sait jamais avec un Heal-Stick. Alors, je sais pas ce que donne la quête. Je sais même pas en fait s'il y a du PVP ou du PVE. Mais autant s'armer comme on peut. Bon, de retour sur le Alpha. Et let's go pour la quête qui est juste là, je crois. What? Non, 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 il... Non, ils ont pas pu retirer les PNJ déjà. Non, 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 non. Ok, frayeur. La grosse frayeur que j'ai eue. Alors, visiblement, il y a pas mal d'instructions pour la quête. Parler à quête alpha, parler aux deux pères, parler à Justine, etc. Et apparemment, il y a deux boss, beaucoup de PVE, quête très difficile, conseillée de faire à plusieurs. Quête ludique et divertissante. Ok, d'accord. Bon, du coup, on va commencer par ici. Salut à toi, jeune aventurier. Je te propose de participer au retour de la magie de Noël pour une famille en détresse. Même si ça fait quelques jours déjà Noël, hein. Ok, merci à toi, jeune aventurier. Je compte sur toi pour redonner l'espoir à cette famille. Alors, il te faut aller voir cette famille. L'heure tourne, fais vite. What? What? Ma carrément TP? À une maison plutôt suspecte. Alors, apparemment, il y a quelqu'un dedans. On va aller le voir. Le mec, c'est un homme d'affaires ou ça passe comment, là? Eh, je vais toquer. Ok, faut que j'arrête avec mes délires, moi. Bon, papa! Bien le bonjour aventurier, l'année passée, le Père Noël n'est pas passé, cependant les enfants ont été sages. Nous pensons que le Père Noël est en danger, nous souhaiterions lui rendre visite, mais nous ne pouvons pas laisser nos enfants seuls. C'est pour cela que nous te confions la mission d'aller lui rendre visite et de nous apporter de ses nouvelles. Si tu y parviens, nous t'offrirons une récompense. Ah bah y a intérêt. Donc je pense que dans le panel de quêtes, je devrais avoir, ok, Noël, parents et Père Noël, complete with papa. Ah, essaye de parler à Justine, elle a eu quelques informations. Bah oui, mais elle est où Justine? Peut-être à l'étage, non? Ok, on a Justine qui est juste là, devant ce qui pourrait être le Père Noël, je sais pas. Cette année, le Père Noël n'est pas passé alors qu'on était bien sage, il nous a abandonnés. T'en supplie, sauve-le! Ah, niveau jeu d'acteur, encore un petit effort à faire. Hein. Bon, ça m'a TP directement, je ne sais où. On va préparer un slash spawn, on sait jamais. Si je me fais dépop par un truc plutôt violent. Alors, on a les boss final, maison de famille détruite, maison de famille et donjon. Mais en fait, pourquoi ils m'ont TP là et on a quoi ici? What? Mais j'ai pris des dégâts. What? Monstre maudit? Ah ouais, carrément. Et ça fait quoi si on tue le monstre maudit là? Ok, d'accord. Alors apparemment, il est assez coriace quand même. Il est assez chiant à tuer. Allez, meurs, crève. Je prends pas de PV, c'est ça qui est bien. Et j'ai pas d'item. Ah, faut des essences de golem. Ok, d'accord. Et les golems. Alors j'ai vu un gros mob qui se baladait. Il y a des sbires, il y a des... What the fuck? Il y a des ogres et tout. C'est quoi leur délire à eux, là? Ah, ils balancent de la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ok, Des golems. Alors, faut peut-être que j'aille check dans les autres étages. Parce que là, il n'y a pas de golem, je crois. Oh! What? C'est ça, un golem? What the fuck? Attends. Ouais, mais non. Désolé pour cette réaction, mais là, j'avais pas le choix. Il y avait les sbires et tout avec lui. J'ai pas compris ce qui s'est passé, en fait. Genre, il a spawn comme ça devant moi. Ok, on va déjà tuer les sbires. Qui nous font un peu chier. Avec leur bâton de poudre de perlimpinpin là. Allez, crève. Comme ça je pourrais faire le golem tranquille. Ouais, et en plus ils viennent me faire chier. Ah mais c'est incroyable ça. C'est incroyable. Et ok, c'est bon, c'est mort. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même pour des quêtes des fois, hein. Et je suis sûr qu'on va avoir trouvé lingot de palladium en récompense. Je le sens venir celle-là. Ok, bon, ça va, ils sont pas trop dangereux. Par contre, j'aimerais bien retrouver les golems juste après, parce que là, ça m'intrigue quand même. Oh, les petits wizards. Ok, nickel. What? Y'a un démon. C'est quoi cet endroit? Ah! On peut se réfugier dans la maison ou pas? What? Y'a une boule. Oh! What? C'est quoi tout ça? Non, je me casse. Je suis perdu, je suis totalement perdu. Mais en fait, les ogres, j'ai pas besoin de les combattre, je crois. En plus, avec leurs épées, mais... leurs épées sont énormes. J'ai pas remis la main sur le golem, en vrai. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, voilà, il est là, le golem. Nickel. Je vois le genre de map que c'est.
Alors par contre, il tape pas souvent, c'est ça l'avantage. Il y a peut-être moyen de le faire solo à mon avis. Mais ça risque d'être un peu chiant. On va prendre une pomme en palladium quand même. Ok, nickel. On va juste spam click et on va tenter de le tuer. De toute façon, on a tout ce qu'il faut, on a Heal Seek, on a Stick of God. En théorie, on ne devrait pas mourir. Et donc, on va tuer le mauvais pic. Par contre, je crois qu'il en faut 5. Et ça, ça va être un peu chiant. Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est quasiment fini. On va enfin pouvoir peut-être dropper un item. Ou un item. Oh, what the fuck. Et... j'ai eu ce qu'il fallait ou pas? Essence de golem, 0. Passe ton essence, s'il te plaît. Non, je t'ai pas tué pour rien, j'espère pas. Mais non, 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 je t'ai tué pour rien. Non, 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 quand même pas. Non, je vais rush kit cette quête. Donc, j'ai réellement tué un golem pour strictement rien en fait là. Alors, on va tenter de tuer d'autres mobs, mais je suis un peu déçu là par contre. On va tuer un démon perdu, ça ira très bien, comme ça je vais me défouler. De toute façon, avec son épée, il va strictement rien faire là. Allez, hop, on va se le faire. Je sais pas s'ils ont beaucoup de vie par contre. What the fuck? Eh, calmez-vous les gars. Calme, 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 calme. Ok, je l'ai tué. Ouais, en fait, il n'y a rien de spécial dessus. On va essayer de tuer un peu les mobs de la zone si on a des essences de golems. Sinon, il faudra tuer des golems. Et je pense que le taux de loot n'est pas du coup de 100% vu que, comment dire, j'ai pas eu d'essence de golem sur l'autre. Alors que j'ai mis environ 3 minutes pour le tuer. C'était plaisant, tu vois. C'était vachement plaisant. Oh, par contre, là, ça pue un peu la merde. Hein. Là, il y a un peu beaucoup de monde, non? Ouais, par contre, là, c'est... ouais, par contre, là, calme, calme, calme. Je veux bien, mais... chacun son tour. Oh, mais en fait, il y en a combien? What the fuck? Je rassemble tout le monde? Cette vidéo part en couille. Mais total, j'en fais 10 000 en même temps. Ok, je crois qu'on va se casser. J'en ai marre. J'en ai marre. En fait, on ramène tout le monde, en fait. À chaque fois que je tape quelqu'un, t'as tout le monde qui se ramène. Ok, on va se casser. C'est quoi ce boule magique? Oh, oh, il y avait un texte. Ok, c'est bon, je me casse quand même. What? Ah, mais attends, ça me dit parler à la boule magique au centre du pôle Nord. Ramener les essences de golem à la boule magique. Mais quelles essences de golem? J'en ai pas eu. Et puis le PNJ, il veut plus que je fasse la quête. J'en ai marre. Bon, écoutez, je crois que ça va se clôturer en rage quête de quête. Parce que là, en fait, ouais, quand ils disent qu'il faut être plusieurs, je comprends. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas d'essence de golem à tous les coups, ça, par contre, c'est un peu chiant. Parce que le mob met juste 1 milliard d'années à se faire tuer. Bon, de base, c'était pas prévu. Mais du coup, on va créer une nouvelle BP. Vu que ça fait un petit bout de temps que je voulais en faire une. Parce que mes stuff commencent à déborder à cause des dons et tout. Donc j'ai réparti plein de coffres à droite à gauche, genre par exemple sur le Ewaz. Et j'ai un coffre ici avec quelques enchantes, même un P4 si je veux, même du P4U5. Et ici, j'ai mes petits drawers secrets avec, on va dire, des restes de ce que j'avais avant. Et c'est quoi? Bah, 21 000 poudres d'os. Alors, faut savoir que j'ai énormément de coffres comme ça qui traînent à des anciens homes comme ça sur Palladium. Et le problème, c'est que bah, c'est pas du tout sécurisé. Enfin, après, c'est qu'un coffre en bois. Alors, est-ce que vraiment c'est risqué? Je pense pas trop. Limite, j'aurais presque pu faire ça à un donjon. Comme ça, les gens descendent pas, en fait. Et j'ai pas de hache. Bien joué. Mais en fait, voilà. Là, c'est les restes d'une ancienne farm qui a, bah, que j'ai découvert au début de Palladium. Et en fait, elle a toujours pas été pillée. Alors, ça, j'ai pas compris. Alors que pourtant, enfin, bon, je l'ai trouvé de base. J'avais pillé tous les XP Bush ici. Il y avait, enfin, pas mal d'épisodes. Il y a encore full Ferti. Alors, c'est pour ça que je trouve ça étonnant que la farm soit pas encore pillée. Mais écoutez, j'accepte de téléporter quelques-uns d'entre vous sur Discord s'il faut. Parce que moi, clairement, hein, je vais pas le dire, mais je suis déjà farmer au niveau 20 et j'en ai strictement pas besoin. Donc si ça peut aider des gens à farmer, bah écoutez, laissez un petit message sur Discord et puis je vous TP, voilà. Mais bref, j'ai pas TP beaucoup de monde parce que je sais qu'il y en a certains qui vont pas respecter, etc. Et puis voilà. Pareil, là, à une ancienne ferme à XP, j'ai plein de pictinages, des trucs en vrac. Et il faut vraiment que je stocke tout ça ailleurs, parce que pareil, là, j'ai... je découvre du stuff des fois, là j'ai carrément 2 P4U5 et tout. Et c'est vraiment très problématique si je laisse tout ça sans vraiment... enfin, c'est pas sans protection, mais c'est pas vraiment caché en fait. Bon, je pense que pour cela, on va prendre des coups assez loin sous l'eau et faire une base avec des anti-blocs s'il y a moyen. Parce que sous l'eau plus anti-blocs noirs, souvent c'est juste invisible. Hein. Donc le but, c'est pas de faire un truc décoratif, c'est de faire vraiment un truc genre invisible. Et ben on va mettre le travel stuff et on va chercher, on va dire, un petit spawner, un petit mineshaft, un truc comme ça sous l'eau. Et on se retrouve une fois que j'ai trouvé ça
Au préalable, je vais voir si j'ai pas des... de la glowstone. Ce que je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, les anti-blocs se font avec 8 de stone et une poudre et une glowstone. Et après, vous pouvez colorer de la couleur que vous voulez avec le colorant. Et nous, ça sera eh bien le noir avec de l'encre. Et bah, on a 14 de glowstone pour 100$. Et bah écoutez, on va prendre. Je pense que ça se trouve, ça va suffire en fait à faire nos anti-blocs. Ça manque un peu le minage quand même. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas miné du palladium. Hop, on va passer des petits slash furnace. Et on va craft le peu d'anti-blocs que je peux. Bah, vous savez quoi, c'est largement suffisant. Et on va acheter un peu d'encre pour enfin les colorer en noir. Avec, on aura donc besoin d'une harpago et d'un coffre en palladium. Et bah écoutez, je crois que j'avais ça encore dans mon coffre. Et bah écoutez, on va en racheter une à 20 000. Et trouvons notre petit repère sous l'eau. C'est parti! Là on est sous l'eau, juste là on a un spawner à araignée. Et donc on va s'installer dans le même chunk. Ah bah toi, il y en a deux en fait? Ah, il est où? Il est là, ok d'accord. Avec deux spawners, ouais, non, on va le faire quand même, on va aller bien en bas, de toute façon le mineshaft devrait en théorie bien nous couvrir. Et bah écoutez, on va miner tout droit vers le bas, hein. Let's go, sans oublier de reboucher bien sûr. Ok, là on est au niveau de la bedrock, on va juste faire ça ici. Donc en fait le but voilà, c'est de laisser une couche d'air entre les anti-blocs noirs et les anti-blocs, on va dire, on y aura le coffre en palladium. Donc on va faire juste un peu de place pour poser nos anti-blocs. Donc voilà, ça c'est la base avec le bois. Voilà, on va dire que c'est le coffre. On va entourer, enfin déjà on va mettre un setome. On va entourer ça d'anti-blocs noirs. Une fois que ça c'est fait, bon déjà on va poser notre harpago juste là. Voilà, nickel. Donc là il y aura le coffre, derrière il y a l'harpago. On va recouvrir ça d'autres anti-blocs noirs. Donc c'est parti. Comme ça là, normalement on devrait plus y avoir d'accès. Ah, par contre, c'est vraiment galère à voir où est-ce qu'on pose les blocs, vu qu'il n'y a pas de texture. Ok, donc là, on a vraiment un joli cube noir et on ne voit absolument plus rien. Je pense que j'aurais peut-être pas assez d'anti-blocs finalement. On va creuser tout autour. D'ailleurs, je sais pas si vous avez la plupart des bases comme ça, mais bon, c'est vraiment le genre de base en théorie introuvable. Je dis bien en théorie. Après, bon, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui trouve quand même. Hein. Ici, pour la vue du dessus, on va mettre des anti-blocs noirs sur le sol. Et le but suivant étant de mettre d'autres anti-blocs noirs tout autour, donc vraiment tout fermé, genre à ce niveau-là. Bon, voilà, comme ça, là à l'écran, vous avez à peu près un aperçu de ce que je veux faire. Donc là, des murs en noir partout autour. Et ici, laisser encore une couche d'air supplémentaire au-dessus. Hop, va falloir que je monte. Bon, voilà, le but étant de vraiment remplir tout ça d'anti-blocs noirs, tous les murs où j'ai laissé un creux, on va dire. Tiens, d'ailleurs, ça c'est un trop. Donc là, les anti-blocs vont monter jusqu'ici pour en fait faire un toit partout ici, etc. Mais là, j'ai plus assez d'anti-blocs vu que je viens de tout poser. Ce qui va tout simplement englober le cube noir central où il y a ma BP actuelle. Et bien écoutez, on se retrouve une fois que j'ai chopé les anti-blocs. Bon, nous revoilà et là, on est à la fin de la BP. Il reste vraiment plus que le toit à faire, sachant que là, on voit strictement rien vu que c'est tout noir. Mais là, on est bien au-dessus du bloc que j'avais fait au départ. Et il manque plus que le toit à faire. Et j'ai enfin fini de faire une nouvelle BP. Ça fait longtemps que j'en avais pas faite et on va dire que ça a fait plaisir quand même. Hein. Attention, les derniers blocs et après, je vais plus m'en sortir. Attends. J'ai assez d'anti-blocs. Attends, je crois que j'ai pas assez d'anti-blocs. Merde. On va faire ça vite fait. Hein. Tac, nickel. Ici, je peux pas en fait après. Là, je tombe, nickel. Et voilà. Et là, on est piégé dans le void. Ça y est, c'est parti. Bon, là, du coup, je me retrouve dans ma BP. Hein, avec, du coup, les 3% là-haut. Et du coup, on reste à 3%. Mais au total, il devrait y avoir 4 entités. Bon, j'espère que les gens iront pas vu qu'il y a beaucoup de mineshaft et il y a quand même 2 spawners à araignées. Souvent, moi, je passe à autre chose. Hein. Et donc, par curiosité... Ah oui, attends, fallait que je rebouche ça aussi. Ah oui, oui. Ah, parce que sinon, c'est peut-être que j'ai une BP là. Hein. Ah, mais pourquoi il y a des méduses qui spawnent? En fait, je suis resté là trop longtemps et j'ai fait spawn des méduses. The fuck. Et c'est une blague en plus, j'ai acheté des encres. Aïe, aïe, aïe. Ok, l'histoire des poulpes, c'est réglé. Et maintenant, je voulais voir si on voit ou pas ma base avec des anti-blocs. Let's go, le petit moment de suspense. Ok, ça va être genre totalement introuvable. Genre vraiment, tu peux rien voir. Enfin, bonne chance quoi, bonne chance.
Bon écoutez, moi je vais vous laisser dessus, n'oubliez pas de like et de vous abonner, je vais transférer les stuff un peu plus tard, mais hier j'ai fait une vidéo que 12 minutes, du coup aujourd'hui, on va dire pour me faire pardonner, je vous ai préparé, on va dire une petite séquence surprise qui s'est passée, enfin c'était pas du tout prévu de base, mais sur mon Discord, on s'est tapé un petit délire, sur ce, je vous passe tout de suite l'extrait. Pétage de cul. What ? J'ai rien vu les gars, j'ai rien vu. De quoi t'as rien vu ? Avec Mirolam. Mais non, t'es pas avec moi, t'es avec le nounours. Mirolam. Ah. Je peux pas frapper Mirolam. Eh ben me frappe pas. Tiens, tu veux faire un screen avec moi? Oh, regarde là, je suis là. Oui, screen, screen. Ok, screen. On fait tout ça, screen. Ils sont morts. OMG, j'ai kill Mirolam. OMG, 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 regarde, je slide sur les murs. OMG, j'ai oh, il m'a cabé. Oh, OMG, j'ai cabé le plus grand youtubeur paladin. Paladien. Wow. Oh, la bite. OMG, j'ai pas. OMG, je suis mort par Mirolam. Non mais je peux même plus cliquer sur les blocs mec. OMG, Mirolam a fait une chute. Si on a la voix narrative de Funcraft. OMG, Mirolam a marqué de la OMG, je regarde Mirolam. J'ai le 1v1 Mirolam. OMG. Non, vas-y, je te laisse partir devant. Oh my Yasmine, god. Yasmine, regarde qui y a dans ton équipe. José. Non. Dégage toi. Ta gueule. Ah. Et on l'entend plus, il s'est passé quoi là? Il est mort? Eh ouais, tu peux parler hein. Oui, mais je crois qu'il est trop concentré. Ah, c'est génial. Ah non! OMG! Je me suis fait marquer avec Mirolam! Oh, c'est con! Non, je te fiche, ah voilà, c'est la fois, merde! Oh, putain! OMG, je me fais quand même par Mirolam! Vous me dites quand il est plus là, s'il vous plaît. Oh! OMG! Ouais. Oh, bien joué! Oh, bien joué! T'as vu ça? Mec, je te fais une dédie à Yasmine, mec. Putain de OMG, hein, c'est un truc de fou, là. C'est mon rêve qui se réalise. Et le... Mec, le réalise, il venait du fond du cœur, mec. Tellement, putain de merde. Yasmine! Mais tu tryhard. Ok, je tryhard, ok, d'accord. Bonjour. Au revoir. On commence bien l'année, putain. Tout à fait, Ya, tout à fait. Allez, Yasmine! Attends, regarde-toi, il s'étouffe un petit coup. Ah, c'est bon. Allez, OMG, mais Yasmine, allez! Oui, je tryhard, c'est pour le tryhard! Allez Yasmine! Arrête de gueuler! Ah, t'en avais tué, t'as pas.